Les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais l'outro avant la soirée, vu que Jeanne m'a demandé de prendre mes caméras pour filmer la soirée de Giovanna pour inaugurer son appartement, vu qu'elle déménage bientôt. Et c'est parti pour une soirée de folie avec Giovanna, sa sœur, les potes à Giovanna et les potes à sa sœur. Tchuss. C'est bon. Tu m'appelles en direct avec Lilo qui conduit. Ce casse aussi. Putain, j'ai du mal à dire avec ce casse aussi. Ça va, Thiago? Non, oh. Non. Accroche. Ça va, Thiago? On va aller les voir. Thiago? Bah non. Pourquoi? Qui conduit? Ils sont à l'autre bout, espèce de chag. Putain. Ils sont à conflit, on a un bel cours. On va passer une très bonne soirée. Vas-y, demain, au pire, on se casse. Lilou. Oui. T'es trop belle dans le truc. Ah, je vais raccrocher parce qu'elle me casse les couilles. Salut mes petits loups! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube avec Lilou et on va vous montrer ce qu'on a fait à manger. Qu'est-ce qu'on a fait que j'ai mis la main dedans? T'es sûr que t'es pas déjà bourré? Non, jamais. On a fait des petits fromages de chèvre avec des petites fleurs. Après on va appeler Joe, qu'elle commence. Dis à la vidéo YouTube ce que t'en penses. C'est super beau et je vais goûter. C'est validé. C'est validé. Parfait. Ça va déborder. Hein. Vas-y, bol. Ouais, mets directement, ça sera plus simple. Quel bol? Là, tu vas en mettre de partout. Et prends un plus grand bol. Hein. Non, ça suffit. Laisse, c'est une femme, elle sait comment la cuisine ça marche. Ouais. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Et de 1. Parce que toi, Giovanna, vous êtes pas foutu de faire à manger. Ouais. Giovanna, elle fait à manger. Ouais. Bah, elle sait faire des pâtes, quoi. J'écrase. C'était génial dans nos soirées. Ouais. J'écrase la concurrence. Les cacahuètes qui t'avaient lancé. Oui. Mais mets les cacahuètes. Mets les cacahuètes, putain. Mais bon. Et maintenant, on va faire un carte de vie. Et dis-toi. Moi, c'est sûr que c'est le jeu du pop, ça va rêver tout, ça va être froid. Elle ou lui? T'en penses quoi? Je pense que ça va être bien. Je sais pas ce que c'est. C'est du fromage au chèvre. C'est du chèvre? Bah, avec le poivre, ça va être trop bon. Pourquoi tu filmes ses fesses? Tu vois, je te vois pas faire. Alors vraiment, il n'y a que sa tête. Il n'y a que ses fesses sur la caméra, t'es dégueulasse. Il n'y a pas son cul. Il n'y a rien de son cul. Arrête, arrête. Ah, mais tu filmes pas les bons culs, fais-moi. Mais pas celui-là. Allez. Aucun moment avec tes fesses. Non. Tu n'as pas réagi. T'encules les mouches, je m'en fous. C'est quoi, je t'encule les mouches? J'ai moins de vie de... Filme les fesses de Thiago. Mais non, mais lui, il a déjà assez son cul sur YouTube, t'inquiète. Non, mais le poivre, t'es radine sur le poivre. Du sel et du poivre. T'es radine sur le poivre. C'est toi, t'es radine. Prends une cuillère. C'est vrai, c'est vrai, je suis radine. Je goûte. Mais arrête. Dégueulasse. Ça un peu laissé rester. Si jamais là, je peux goûter moi. Quoi, non, pas toi. Je peux goûter. Non, toi aussi, non. Non, c'est dégueu. Non, il n'y a pas besoin de miel. Hein. Un peu. Non, je te jure, il y en a assez. C'est pas du tout une cuillère à miel. C'est très sucré déjà. Ouais, c'est vrai. Allez, hop. Et le miel, je te jure, on le sent. Ouais, voilà. Pas trop, ouais. Stop, stop, merde. On t'a dit d'arrêter, oh. C'est sucré de zinzin. C'est sucré de zinzin, genre. Ça va. Oh là là. Et Paul Bocuse, c'est ton père. Hein. Ouais. Hey, quand, c'est gourmand, c'est croquant. C'est le premier truc que Joanne m'a dit. Je suis trop content qu'on ait cette passion pour la musique. Je suis trop content qu'on ait le groupe. C'est bien. Le petit bout là. Ouais, ouais. Il y a bien poussé là. Du fromage de quoi? De chèvre. On voit un peu de fromage. Je vais au Guatemala. Bah non, on va à Barcelone avec Lina. On nous l'a dit quand même. Je savais pas que c'était Barcelone. C'est ouvert en plus. C'est vrai, j'ai la vie. C'est pas possible. Je l'ai dit, mais arrête. Merde, putain, j'en aurais mis trop fort. Personne ne m'arrête déjà. Il est bon, non? Tu viens à genoux et tu m'entends. Mais là, faudra peut-être mélanger. Ouais, mais ici, je prends un par contre parce que t'as fait le poids dans la gueule. Mais j'ai léché la cuillère. Ça fait super bon ce que Tina a fait. Non, mais j'ai pas l'impression avec toi, avec ta soeur. Comment ça s'appelle l'expression anglaise là? Je me disais parce qu'on a posé une soirée. Tu sais, quand tu parles d'un mec, genre il a été bon.
ça nous a rapproché assez de ce que nous avons tu vois, je suis un peu plus de ouais, What Hit Wonder, Wonder, ouais. C'est ça, bah, c'est ça. Du coup, c'est là où. Attends, j'ai peur de la même caméra. Elle fait des vidéos YouTube. Mais non, c'est pas ta chaîne. Elles sont trop bien. Je peux pas. En vrai, le seul point négatif, c'est que Joel écoute du Kenji pendant les vidéos. Ouais. Bah, c'est vrai, parce que quand je me fais flasher, on écoute du Kenji aussi. Mais alors, c'est pas moi. C'est non, mais il est aussi à flasher. Donc on va regarder si Nina a retrouvé mon plat et qu'il est bien dans sa voiture depuis 3 mois. Hein. Allez go. T'as les clés pour rentrer après? Non mais on escalade, t'inquiète. Mais t'es... Allez. T'es garé où? Mais non. Mais non, c'est les éboueurs. Oh, non, c'est les travaux. Éboueurs. C'est les travaux. Et vous savez que les éboueurs, ils gagnent super beaucoup d'argent. C'est super beaucoup d'argent. T'as parlé bien la France, hein. Ça se voit, t'es... C'est ça ta voiture? 2008. Ah oui, voilà, merci, c'est pas ta voiture. Pas... Juste arrête de dire un peu, à chaque fois c'est total oui. C'est oui ou non, pas à moitié s'il te plaît. Lilou, oui. Oh. Ouh là là, moi j'ai peur moi. En vrai, je pense qu'il est dans ma chambre. Mais juste, je sais à peu près. Nina, j'ai dormi dans ta chambre, d'accord? Donc... Comment? T'es beaucoup? Je t'appelle une petite nuit, j'ai fait le lit après. Ah ouais? Non. Bah si, Giovanna, elle m'a dit dors dans le lit de ma soeur. Ah, mais oui, elle m'a dit avec Jade, non? Ouais, non, Jade a dormi avec Giovanna et moi je me suis retrouvée dans ta chambre. Parce qu'au début j'étais pas à l'aise. Dans ma chambre? Mais c'est juste qu'en fait il y avait tout le bordel sur ton lit donc je savais pas où les foutre. Ah oui, oui, oui. Et que frérot, je me suis retrouvée à 4h du mat à 4 potes par terre à chercher un câble et un chargeur dans tes prises. Et que je tirais un câble, j'essayais de trouver si c'était le bon bout ou pas. Et t'as trouvé au final? Ouais, 20 minutes après j'ai trouvé un câble ouais, et une prise. C'est le bordel. Eh mais par contre regardez ce qu'il y a, je sais toujours pas pourquoi il y a ça. Il y a des couteaux dans des pinces. Mais pour ça sert à quoi? Bah à protéger les couteaux pour pas qu'ils se barrent partout. Oh, mais ça vient d'où c'est ça? C'est dangereux, wesh. Bah demande à ton père. Ah, mais t'es vraiment sur ton nez. Mais t'es vraiment... Mets sur ton doigt, mets sur ton doigt. Aïe. T'es sûr que t'es majeur? Bien sûr, depuis 2 ans, 3 ans. Alors tu sais que vraiment l'achat, c'est ça, ça va là. Ah. Et après ça fait ça. Mais ça sert fort, wesh. Bah t'es con, c'est des chiens. Non mais rien, j'ai déjà violé mon doigt. Comment? Je mets là. Hé, hey, tu fais quoi? En vrai, ça fait un piercing. Ah. Mets sur ta langue. Mais qu'est-ce que tu prends? Vas-y, ouvre la bouche. Non, vas-y. Vas-y, parle. Panique. Dominique. Essaye avec elle. Ouais. Ça, en vrai, ça va, mais sur le là, c'est une petite. Non, regarde. Il y a des toiles d'araignée, non. Tiens. Non. Tiens. Non, sur la joue. Tu as pas ce dentelle. Essaye au milieu. Oh, wesh, ça fait mal, wesh. Mais il est vraiment con, ce mec. Ah, ça fait, j'avoue. Attends. Mais il y a une comme ça dans le nez. Genre. Attends, juste je fais l'autre. Mais... mais vous êtes vraiment des... Non, vous êtes vraiment des clampins, hein. Mais t'es sûr t'es portugais toi pour savoir ce que c'est ça? Putain, ça fait mal wesh. Mais il fait les travaux. Mais attends, mais il dit ça fait mal et puis il en rajoute. Mais en vrai ça fait mal mais ça fait pas mal. Oh sur le menton en galoche. Aïe. Mais tu sais que vraiment ça défonce. Mais oui ça nique. Vas-y, bon bah les couteaux attends on va les remettre. Ah moi ça m'a niqué. Mais t'es vraiment... On va voir dans le garage. On va faire l'expédition attends. Expédition, on repart au garage. Viens, on monte avec eux dans la nacelle. Viens, on demande. Pour... Ouais. Venez, courez. Partez pas, wesh. On peut monter. Imagine. On peut monter. Imagine. Ah non, il a dit non. Oui, il a vraiment dit non. Dit non. Merci quand même. Bonne soirée. On va se péter la gueule, la donzelle. Mais... Oh. Bah attends, vas-y, fais le tour. Fais le tour quand même. Non, parce que ça nique la boîte aux lettres, mon père, il est... Bah voilà. Tu voulais qu'on passe à 3? Mais oh non, mais il y en a un qui passe et l'autre il veut. Ouais, bah t'as la pire tenue de nous trois pour monter. T'es en jupe, on est tous les deux en pantalon. Ouais, j'avoue. Bah de toute façon, j'aurais pu monter lundi. Bien. Oula. Tu me fais une petite traction là? Moi, je m'appelle pas Dieu par contre. Moi, je veux bien faire une traction, mais il n'y a pas les résultats quoi. Je ne sais pas faire une traction, c'est bon? En fait, on est à la recherche de quoi depuis tout à l'heure? J'ai oublié. Mon plat. On est à la recherche du tuberon de Lilou qui est rouge. Parce que tu sais, la dernière fois pour la fête de la musique, ouais, bah voilà, bah je l'attends toujours. On... 21 juin, la fête de la musique. Et ça se trouve, ta mère, elle l'a rangé dans la vaisselle. Non, j'ai refait vraiment ses placards, il n'y a plus. Ah ouais?
Mais pourquoi il serait atterri là? Il est là, Lilou! Non, mais je vais. Il a vu ma mère, il est là! Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait qu'il a atterri là? Il est là! Parce que, en fait, j'explique, ça c'est mon rattrapage. Genre, tu vois, ça c'est un bracelet. Tu veux le mettre? Ouais, c'est cool. J'ai des études de merde. Vas-y, donne ta main. Voilà. C'est un petit bracelet contemporain. Tu mettrais ça? Pour la Fashion Week. Bah, en fait, ça devrait être deux. Ah, regardez, ça c'est un parfum. Ça c'était un prototype. Nina, on s'en fout. Je veux mon parfum. Je veux pas ton parfum. Je veux. Ok, mais je vais me faire enculer en fait. Dis-le plus vite. Oui, ma chérie. D'accord. Bah, moi, ça tombe bien, j'adore ça. Non, je rigole. Mais... Je rigole. Bah, appelle ton mec, mais il est parti. Non. C'est l'homme de ma vie. Samy. Samy. Vous connaissez. Ah, ça me dit quelque chose. Miaou. Bon, ça part trop loin là. Ouais. C'est What I Was Made For de Billie Eilish version chat. Oui, t'as vu, on a retrouvé. Putain, jamais je pensais qu'on allait le retrouver. Enfin, si, je rigole. Je rigole pas. Vas-y, atteste tes fautes là. Hein? Atteste tes fautes, t'allais dire quoi? J'atteste. J'ai perdu le tubeur de Lilou pendant 2 semaines, ok? 2 semaines? 21 juin, on est le 18 juillet. Oh. Ça fait presque un mois. Pendant 4 semaines. Non, mais donne-moi ça. Ah oui, let's go, le Bon, mais on l'a, Lilou, tout vite. Mission réussie. Mission réussie. Oh putain. Lilou, si je suis trop moche, je mets pas ça sur YouTube. Hein. Ah, mais je vais me gêner. Bref, voilà, c'était super drôle, j'ai kiffé. Je me suis prise pour une rappeuse. Regarde, ils ont encore mis la nasse. Mais ils nous ont dit non. T'es malade des gains, frère. T'as repris, il va. Un poule touriche. Un poule touriche qui parle au bal. Ils mettent des murs là. Tu veux pas nous faire une Titanic là? Oh non, je peux mourir si je fais. Non, tu fais juste ça. Jack. Nina, tu veux pas faire Jack? Non, Titanic. Mais non, c'est ridicule, je vais le prendre par derrière. Oh, pff. Ah, c'est gentil. Dit comme ça, finalement, c'est plus attirant. Au final, bon, bah. Je dis pas non. On va leur dire des nièces. Arrête. J'ai mon tupperware. Bon, la fin de soirée était chill, on a discuté et tout ça. J'ai parlé avec Nina, genre jusqu'à 5h du mat. Et en gros, c'était cool. Et là, on se retrouve le lendemain parce que j'ai fait une petite folie. Hello les gars, je vous parle très après parce que je viens de sortir chez le coiffeur. Je veux pas que vous voyez ma coupe avant que je vous l'explique. En gros, vous voyez, hier soir, on était chez Giovanna et tout ça. Et j'ai dit que j'allais chez le coiffeur. Et tout le monde m'a dit de faire une coupe en particulier. Donc, je l'ai fait la coupe. J'ai vraiment fait une coupe mulet. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais vraiment. J'ai fait une coupe mulet, voilà. Et là, vous voyez, je vais appeler Giovanna et sa sœur. On se pose dans la voiture, je vais les appeler en visio. Et ça va être drôle. Allô? Allô? Il y a ta sœur à côté de toi ou pas? Pas très loin, pourquoi? Bah va la chercher, je sors du coiffeur. Ah, Nina? Elle m'a fait. Parce que tu sais que vraiment, je vais chez cette coiffeuse depuis que je suis rentrée en France. Ça fait 6 ans que je fais la même coupe. Là, elle m'a dit on fait comme d'habitude. Et j'ai fait alors. Non. Faut t'expliquer non. Le projet, frère. Je kiffe. C'est trop trop beau. Je kiffe. Bah voilà. Au moins, tu vois, vous êtes les premières à avoir ma tête. Hein. Ah, bah, on est hyper honorés. Ah, c'est trop beau. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que c'est hyper stylé. Ça va, tu kiffes? Moi j'adore. Ouais, genre vraiment j'adore. Après elle m'a désépaissi tout le haut, je suis très contente parce que vraiment j'avais vraiment une tignasse. Bon, ouais, t'as beaucoup de cheveux. Bisous. Bisous, bisous, à toutes. Bisous. Bisous. C'est quoi, on va appeler Kams? Attends, je suis toutée, elle m'appelle en vidéo là. Attends, habille-toi. Attends, je coupe. Bah non, ce qu'il me faut ta tête. Mais non, c'est qu'en fait, je voulais ta réaction. Je suis chez le coiffeur, j'ai changé de coupe. Ok, attends, je mets que ma tête. Oui. T'es prête? Ouais. J'ai une coupe mulet. T'as fait un mulet? Je suis pépée de toi, jusqu'au bout, tu me les auras toutes faites. Attends, regarde. Mais tu kiffes? Moi j'adore! Non, bref, ça te va bien, ouais. C'est toi en fait, c'est Lilou quoi.
C'est mi rasé, mi, c'est mi choupi en fait. Je dois le prendre comment? Prends-le comme tu veux, montre à Matt. T'aurais dû faire la teinture sur tout le mulet, ça aurait été plus drôle. Sur tout le mulet? Ouais, mais ma teinture elle date, frère. Ouais, bah trouve une teinture rousse. Ça sur tout le mulet. Les teintures rousses ça existe pas, c'est de la décoloration. Ouais, c'est un dégradé espagnol, comme ils appellent ça. Un mulet espagnol. Oh, en gros, ça va, il y a vraiment de choquant. Bisous. La bise à la Denise, bisous. Bisous sur tes fesses. Bisous sur les tiennes aussi. Génial les gars. Coucou ma chérie, ça va? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, je suis chez le coiffeur. Tu vas rigoler. J'ai une coupe mulet. Tu vois? Attends. Ça va en vrai? Tu kiffes? Moi j'adore. Moi j'aime bien, ouais. Ça change. Ça va, j'aime bien. Là tu kiffes? Ouais, grave. C'est validé par Marie, moi ça me va. Bon, vas-y, Lilou, je te laisse, je te rappellerai. Bisous. Bisous. Voilà, c'est validé par Marie, ça me va. Objectif de la journée, là, aller chercher les lunettes de Jade chez Merwan. Parce que ça commence à lui faire chier, vu que ça fait genre 2 semaines que Merwan a ses lunettes. Enfin, les lunettes surtout de sa sœur. Donc elle veut les récupérer, donc là, on va aller chercher. C'est bon, t'es. T'es au bout de ta vie. Ah, t'as gris, wesh. Mais regarde, ça va. En vrai, non, ça va. Ça va. Allez, passe-moi ça, putain. J'ai envie de te connaître. Bon, bah, c'est bon, Jade, j'ai récupéré tes lunettes. J'ai zéro dégâts. J'ai zéro dégâts, je sors de soirée. Comme ça, au moins ça c'est fait. Bon, moi maintenant je rentre chez moi et en plus j'ai un rendez-vous à 14h. Génial. Guys, c'est bon, je suis arrivée chez moi, d'accord? Là, moi je suis devant la porte d'entrée. En fait, le truc c'est qu'il faut pas qu'ils soient dans la cuisine parce que si j'ouvre la porte, vraiment ils seront devant. Attends. Putain, ma mère est dans la cuisine. Attends, ferme les yeux! J'ai fait une coupe mulet. Avec qui? Avec Nathan? Bah non, je suis la coiffeuse. Je suis le coiffeur. Derrière, tu laisses tel quel. Après, c'est une coupe mulet, maman. C'est de raser les côtés. Ah, ok, d'accord. T'aimes pas? Ça me fait bizarre. Enfin, bah, parce que ça fait 6 ans, tu me vois avec la même coupe, mamie. Ça va? T'as du mal à répondre quand même. Ma chérie, j'ai fait des bêtises. Je suis allée chez le coiffeur. Et alors, je suis allée chez le coiffeur. T'es prête? Tu me tapes pas un arrêt cardiaque. J'adore. C'est archi soigné. Je t'aime. Ah, moi j'adore.